Lors de la dernière croisade à laquelle j'ai assisté avec mes parents, l'homme de Dieu a dit que si vous voulez que Dieu fasse de vous une personne nouvelle et vous emmène dans une dimension plus profonde de votre foi, vous devez être prêt à être brisé. La vérité est que quand j'ai entendu cela, ça me semblait drôle. Pourquoi Dieu me brisera-t-il d'abord, avant de m'élever? Parce que je croyais avant que rien de bon ne pouvait sortir de quelque chose qui a été brisé. J'étais une personne impatiente et quasi perfectionniste, et parfois même carrée sur les bords. Je n'avais pas de juste milieu dans mon jugement. Soit c'est parfait ou non. Je n'en avais pas le temps d'étudier ou d'analyser ou de travailler sur quelque chose pour en tirer le meilleur. Ce n'était pas moi jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Je m'appelle Zoé, enseignante et professeure amoureuse de la parole de Dieu. Voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Après la mort de mes parents dans un accident de voiture, mon oncle, qui était ma seule famille, m'a accueilli pour vivre avec lui et sa fiancée. C'était le petit frère de ma mère. Quand ma mère s'est mariée avec mon père, il n'a pas assisté à la cérémonie. Je n'avais jamais compris pourquoi, parce qu'il semblait être proche de ma mère pourtant. J'étais sceptique au début sur ce à quoi allait ressembler ma vie dans la maison de mon oncle, mais ce qui m'a rassurée est le fait qu'il était un chrétien fervent et quelqu'un qui aimait la perfection tout comme moi. Au fil du temps, j'ai découvert que mon oncle avait des excès. Il rentrait chez lui certains soirs et refusait de manger car, selon lui, il manquait une épice dans la nourriture. Il avait des disputes futiles avec sa fiancée car elle n'avait pas l'air parfaite quand les gens venaient rendre visite à la maison. Parfois, il m'enfermait dans la maison parce que je n'étais pas parfaitement à l'heure pour le service du dimanche. Ses réactions étaient très excessives. Ce qui m'a surpris, c'est que sa fiancée ne s'est jamais plainte. Un jour, j'ai décidé de parler avec elle. « Lynn, puis-je te parler un instant ?» dis-je en entrant dans le salon où elle était allongée sur le canapé. Elle ne répondit pas et je m'approchai et remarquai qu'elle était plutôt inconsciente et que le verre qu'elle avait dans la main était tombé au sol. Quand je l'ai touchée, j'ai remarqué qu'elle avait une température très élevée. Alors j'ai rapidement pris une serviette froide et je la lui ai mise sur le front pour baisser la température. Et j'ai appelé mon oncle qui est venu et l'a précipitée à l'hôpital. Quand elle est revenue quelques jours plus tard, mon oncle m'a dit qu'elle était enceinte. L'expression sur son visage était plutôt pas joyeuse du tout. Je pensais que la venue d'un bébé serait quelque chose de merveilleux dans leur couple. Je me trompais. Pendant des semaines, il a été froid envers elle. J'ai décidé de lui parler et elle m'a dit que c'était normal que mon oncle se comporte ainsi, car ils avaient un accord concernant les enfants dans leur couple. Ils avaient convenu d'attendre qu'il obtienne le poste idéal dans son entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient construit leur propre maison et puissent assurer un avenir parfait pour leurs enfants. J'étais abasourdie par ce que j'ai entendu. Attends, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Donc tu veux dire que tu aimes réellement cette âme? Demandai-je avec une surprise. C'est pourquoi je l'ai épousée, me dit-elle d'une voix lente et très basse. Je comprends. Mais là, il va trop loin. Alors quelle est la prochaine étape? Il vient juste d'apprendre la grossesse et il se comporte déjà comme ça. Qu'en est-il des moments de malaise et d'autres choses qui accompagnent la grossesse? Comment est-ce qu'il va faire face? Cela n'arrivera pas, répondit-elle avec un regard vide. Je ne comprends pas. Chaque femme enceinte subit ses bobos à un moment donné de sa grossesse. Alors, quand tu dis que ça n'arrivera pas, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce bébé ne viendra pas au monde. Nous avons tous les deux convenu que ce n'était pas le bon moment. Quoi? J'ai dit d'un ton ahuri. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Ne me dis pas que tu vas avorter de ce bébé. Tu ne peux pas comprendre, dit-elle en s'éloignant. Je me suis précipitée dans ma chambre et je me suis assise pour réfléchir à tout cela. J'ai réalisé que mon oncle avait lavé le cerveau de sa femme pour qu'elle croie tout ce qu'il dit. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu une chose pareille. Tout ce qui me venait à l'esprit était de quitter cette maison. J'ai commencé à emballer rapidement mes affaires dans mon sac quand mon oncle est entré dans ma chambre sans frapper comme d'habitude. Que se passe-t-il ici, jeune fille? Me demandant avec son ton ennuyeux. Rien, tonton, j'ai juste pensé à ranger mes affaires, répondis-je nerveusement en essayant de ranger mon sac de voyage. « Laisse-moi te raconter une petite histoire, » dit-il en marchant vers moi. « Je n'ai jamais vraiment aimé ton père. Ça a empiré quand ma stupide sœur a décidé de l'épouser. C'était un couple de parfaits imbéciles. Comment est-ce qu'une jeune femme belle, avec un avenir comme elle, pouvait épouser un homme avec un maigre salaire, sans ambition, juste pour l'amour ? Quand c'est même arrivé, j'ai décidé de convaincre ma sœur de ne pas donner une progéniture à cet homme, parce que ça ferait juste perpétuer la lignée. Mais non, elle n'a pas voulu m'écouter. Et ils t'ont eu. » Quand j'étais pris dans ma maison, ma perception de toi n'était pas encore claire jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, tonton? Tu n'es pas différente de ton père. J'ai entendu la discussion entre toi et ma femme.
Je pensais que tu aurais compris maintenant que tout ce que je veux, c'est la perfection. Ce n'est pas si difficile. Tonton, mais ça va pas ? J'ai coupé brusquement. Comment tu peux avorter d'un bébé à cause de ton soi-disant timing parfait ? Es-tu Dieu ? Je refuse de participer à ces insanités. Je quitte cette maison. Je n'avais pas encore fini qu'il m'a donné une gifle et m'a poussé vers le lit. Comment oses-tu ? Dit-il en déchirant mes vêtements. Penses-tu que tu es plus parfaite que moi ? Penses-tu que tu as quelque chose de spécial ? Puisque tu veux être une imbécile, je vais t'aider. Il parlait pendant qu'il abusait de moi. Et il a fait pendant que ma tante était dans l'autre pièce. Il l'avait mis dans une prison mentale. Donc elle ne pouvait rien faire. J'ai lutté et lutté, mais c'était inutile. J'ai fermé les yeux en essayant de penser à autre chose. Mais la douleur était si réelle. Je pouvais l'entendre déverser des insultes sur moi. Mais je refusais de le regarder en face. Il agissait comme s'il était possédé. Dès qu'il eut fini, il m'a tiré dans le garage et m'a enfermé dedans. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de m'arriver. Pendant des jours, je me suis allongée sur le sol glacé, mais je n'avais pas froid. En fait, je n'ai rien senti du tout. J'étais encore traumatisée. Les jours passaient. Sa femme venait me déposer de la nourriture avec quelques vêtements et un seau d'eau, puis repartait. Après quelques mois, il est venu me recueillir des urines avec lesquelles il a fait un test de grossesse. Apparemment, j'avais des symptômes de grossesse. Immédiatement, il y a eu des résultats et il est venu me battre et m'a jeté dehors. Au milieu de la nuit, il a dit que j'avais réussi à rendre ma vie inutile, donc il ne pouvait plus me garder chez lui. Je suis restée là pendant des heures, ne sachant pas où aller puisque personne ne me croirait de toute façon. J'étais la fille têtue et rebelle. J'avais une mauvaise image aux yeux de tout le monde. Il était inutile d'essayer de m'expliquer aux autres. J'ai alors décidé de mettre un terme à tout cela. J'ai attendu dans le virage sombre de la route. Je voulais qu'une voiture s'approche juste pour courir vers elle et la heurter, et ce serait la fin. Après avoir attendu ce qui m'a semblé des années, une voiture s'est présentée à l'autre bout de la rue. Dès qu'elle s'est approchée de moi, je me suis précipitée vers elle. Quelques semaines plus tard, je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital, avec une perfusion au bras et un bandage autour de la tête. Je ne pouvais pas croire que j'étais en vie. Il y avait un homme assis sur le canapé qui veillait sur moi. Quand je me suis réveillée, il a appelé l'infirmière qui est entrée et a fait un contrôle. Lorsque l'infirmière est partie, j'ai reconnu l'homme. Il était l'homme de Dieu qui a prêché que Dieu nous briserait et puis nous remolderait il y a quelques années lors de la croisade. « Comment vous sentez-vous ? » me demanda-t-il avec un sourire. Je n'ai pas répondu et je lui ai tourné le dos et j'ai fait face au mur. Il a continué. « Je m'appelle. Je sais qui tu es. » J'ai coupé avant qu'il ne puisse finir. « Vous avez prêché lors d'une croisade en notre église. » « Oh waouh, je suis content d'entendre cela. Tu te souviens de moi ? Le docteur a dit que tu pourras bientôt quitter l'hôpital. Et Dieu merci, le bébé va bien. » Dès qu'il a dit ces mots, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. « Pourquoi ? » ai-je demandé. « Pourquoi quoi ? » « Je ne comprends pas, » demanda-t-il calmement. « Ce bébé n'est pas censé vivre, » j'ai dit en fondant en larmes. J'ai alors commencé à parler et je lui ai tout expliqué pendant qu'il écoutait calmement. Et quand j'ai fini, la seule chose qu'il a dite était que Dieu reste Dieu. Quelques jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital et je suis allée vivre avec sa femme et lui. C'était des gens gentils qui aimaient vraiment Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfants malgré leurs 6 ans de mariage. Chaque jour, j'en avais l'occasion, je prenais secrètement des médicaments pour faire mal au bébé que je portais, mais rien n'y faisait. Enfin, j'ai accouché d'une jolie petite fille. Le jour de sa naissance, j'ai refusé de la toucher, et même de lui donner un nom. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'elle avait survécu à toutes les substances nocives que j'ai consommées pendant ma grossesse. Bien que je la détestais, le pasteur et sa femme ont pris soin d'elle et l'ont même nommée Asher, ce qui signifie « joie ». Je suis retournée à l'école et j'ai terminé ma dernière année. Et plus tard, je me suis inscrite à l'université. Mais je ne me sentais toujours pas heureuse. J'avais l'habitude de me cacher et de prendre de la drogue et de l'alcool, juste à la recherche de satisfaction et de tranquillité d'esprit. Mon traumatisme me rendait la vie invivable. Il est arrivé un moment où le pasteur et sa femme ont dû voyager pour une croisade de 3 jours. Alors j'ai dû rester avec Asher. À ce moment-là, elle avait 3 ans. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais prendre soin d'elle. Des pensées de l'empoisonner, de la laisser se noyer ou de tomber dans les escaliers m'avaient même traversé l'esprit. Mais je ne voulais pas m'approcher d'elle. J'ai écarté ces pensées avec le revers de la main. Je la laissais toujours manger seule, jouer toute seule, car je ne voulais pas être à ses côtés. Chaque fois que je la voyais, mon passé amer faisait surface. Pourtant, elle ne ressemblait ni à moi, ni à mon oncle diabolique. C'était un enfant potelé, avec de longs cils foncés. Elle avait beaucoup de cheveux. Elle était pleine d'énergie et courait partout dans la maison. Un jour, alors que je fumais et je buvais en larmes sur le balcon, elle est venue et a pris la bouteille et les cigarettes et les a mis dans la poubelle.
Ensuite, elle a utilisé ses petites mains douces et a essuyé mes larmes. Puis s'est assise et a tapoté mon dos en chantant une berceuse que la femme du pasteur avait l'habitude de lui chanter. Pendant un moment, j'ai perdu mon souffle. C'était une âme innocente qui ne demandait qu'à vivre. Elle ne demandait aucunement à être le produit de mon malheur. Et j'étais là à déverser ma haine sur elle. Je posais ma tête sur ses petits genoux et je me suis endormie. Le bruit de la voiture de pasteur nous a réveillés quelques heures plus tard. À partir de ce jour, j'ai partagé tous mes soucis avec le pasteur et il a prié pour moi et j'ai consacré ma vie de nouveau à Christ. Je revivais. Quelques semaines plus tard, Asher mourut dans son sommeil. Elle n'était pas malade. Elle n'a eu aucun choc. C'était une incompréhension totale. Après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis affamée pendant des jours et prier était devenu un tabou pour moi. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi Dieu ne me laisserait pas être heureuse. Après toute la douleur que j'avais vécue, j'avais enfin trouvé la raison de sourire à nouveau. Mais non, j'ai perdu ma fille. J'avais appris à aimer mon bébé. Je m'étais peu à peu réconciliée avec moi-même. J'avais retrouvé la paix intérieure et j'étais prête à revivre la vie avec un but. Mais non, Dieu a retiré Asher de ma vie. Pourquoi l'a-t-il laissé survivre de toutes ces substances nocives que j'ai consommées afin d'interrompre la grossesse? Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement amenée sans que je ne la connaisse mieux? Après des mois de deuil, j'ai enfin compris avec l'aide de l'homme de Dieu que c'était sa volonté que je me rapproche de lui à travers Asher. C'était très difficile à accepter, mais cet événement m'a conduit à une révélation bien plus profonde de Dieu. Ses voies sont différentes des nôtres. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je me suis inscrite à une école de théologie et j'ai obtenu une maîtrise en évangélisme. Quand j'ai fini, j'ai commencé à assister le pasteur David dans son service et la plupart du temps, il me donnait la plateforme pour prêcher pendant les croisades. Au cours d'une des croisades, un groupe de personnes est venu afin d'accepter Christ et parmi eux, j'ai reconnu mon oncle qui a presque ruiné ma vie. Au début, une image de mon passé m'a traversé l'esprit, mais je me suis rappelé jusqu'où Dieu m'avait emmené et je suis restée calme. Après la croisade, il m'a suivi jusqu'à ma voiture et essayé de s'agenouiller, mais il était en fauteuil roulant. Il s'est excusé en larmes pour ce qu'il avait fait et également a avoué qu'il n'était pas le frère du sang de ma mère, mais plutôt un fils adoptif. Il a également admis que sa perversion venait du fait qu'il était attiré par ma mère. Donc il a profité de la personne la plus proche d'elle quand il en a eu l'occasion. Après l'avoir écouté parler, je lui ai tenu les mains et j'ai prié avec lui. Puis je suis partie. Aujourd'hui, je suis chargée de cours à l'université et chaque plateforme que je reçois, je l'utilise pour partager la parole de Dieu et emmener les gens à la connaissance de Dieu Tout-Puissant.